1990 World Cup stands as the best for Cameroon so far, as the opening game is engraved in the history of Cameroon football with François Omambiyik, who scored the lone goal against Argentina in that opening encounter, and our guest for tonight's edition of the program. Good afternoon, coach, and you're welcome on board La Presque Fellow Match. Bonjour, merci de votre invitation. All right, so you are the assistant national team coach of Cameroon. Tell us how you are managing during this period of the coronavirus with no activities. How are you coping during this period? Ben, cette période de coronavirus, il est difficile de travailler. Les compétitions se sont arrêtées pendant longtemps. C'est vrai qu'actuellement, il y a quelques pays en Europe qui ont repris les championnats. Donc, on suit les matchs où les joueurs camerounais évoluent, donc en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et on essaye de faire le point à chaque fin de semaine pour avoir l'avis des uns et des autres. Mais je suis en contact permanent avec le coach principal et les autres collaborateurs pour prendre déjà de leurs nouvelles de leur famille, comment ils se comportent et faire le point de ce qu'ils ont vu en semaine. Okay. All right, and so tell us, how is your relationship with coach Antonio Conceição? Ben, Antonio Conceição, c'est un personnage très attachant, très facile à vivre. Il a ses principes qui correspondent aussi bien à mes principes. Donc il est ouvert, très accueillant, travailleur. Les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui vit du football pratiquement 24 heures sur 24. Hein. Il est capable de regarder à la même journée plusieurs matchs. Donc la relation, la collaboration se passe très bien avec lui, comme les autres collègues, donc Jacques Songo, et Tony, l'autre Tony qui est là. Donc, on est en pleine phase, on s'entend bien. And talking about the communication language, we know he has probably a problem with expressing in English and French. How is it going as far as that aspect is concerned? Ben, le coach parle très très peu français. Il parle un peu espagnol aussi. Bon, mais sa langue, c'est le portugais. Donc, on n'a pas de problème de communication parce qu'on arrive en parlant doucement, de se comprendre soit en espagnol, soit en français. Mais dans le groupe aussi, il y a l'analyste vidéo qui nous sert d'interprète quand il faut, quand ça devient compliqué, ou il veut s'exprimer en espagnol pour qu'on comprenne mieux, ou les joueurs. Donc cet analyste vidéo, Tony, qui s'appelle aussi Tony, il parle français, il parle portugais, donc le courant passe. Now, when you look at, you've been assistant coach in 2010 of the Lions, and now you're still an assistant coach. Don't you think it's time for probably the authorities to give Cameroonians that opportunity to coach the national team? We look at the likes of Carl Enongachu, who was given the opportunity with the girls, as well as coach Tomali B with the under 17. Don't you think it's time that the Cameroonian sports authorities trust Cameroonians to take this country to a major competition? Ben écoute, un jour ça arrivera, un jour. Il faut pas oublier que il y a quand même des entraîneurs camerounais qui ont pris cette équipe nationale, dont les Jules Nyonga, les Akono Jean-Paul, pour ne citer que ceux-là. En ce moment, c'est un coach étranger qui est là. Le gouvernement a décidé de me nommer comme assistant. Je l'ai pris comme un honneur parce que je travaille pour le pays. Quand le chef de l'État te donne les responsabilités, même si tu aspires à être au plus haut, il faut les assumer. Donc je me sens bien là où je suis. Je n'ai pas de problème avec le coach. On travaille bien. Le plus important, c'est que l'équipe marche. All right. And so, how would you rate your last two games that you've played, as far as your tenure as the assistant manager of Tony Conceição is concerned? The last two games that you played, how would you rate them, your performance? Mais on n'a pas eu beaucoup de temps de faire des matchs. Je pense qu'on est à trois matchs, donc deux matchs officiels, un nul et une victoire. Et
on préparait déjà les troisième et quatrième match des éliminatoires de la CAN qui était, devait être en 2021, mais le coronavirus est venu tout bouleverser. Donc là, on repart. C'est sûr que les données vont rechanger, les cartes vont être redistribuées. Je pense que, pas je pense, on va sûrement élargir le nombre de joueurs qu'on doit observer. Parce qu'on ne sait pas, quand on va reprendre les compétitions. Deux, quels sont les joueurs qui seront compétitifs. Donc, il faut élargir. Il faut racler large. All right. So how would you describe this current squad that you have now with the one that you had in 2010? Mais la différence, c'est pratiquement la même chose. Hein. On arrive en 2010, on trouve qu'il y a en sélection beaucoup de problèmes de communication entre joueurs, entre dirigeants. Donc on essaye de remettre un groupe en place et malheureusement on n'a pas eu le temps de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique qui devait être en 2012. Mais c'est pareil ici, l'équipe était un peu divisée et pourtant il y avait un groupe assez formidable qui a joué les éliminatoires sans aucun problème. Pour des problèmes d'ego, il faut le dire, ça c'est parti de tous côtés. Mais là ça va, on a eu des discussions avec des joueurs. Ils reprennent goût, ils ont repris goût à venir défendre l'équipe nationale. Il manque encore d'autres dont nous sommes en contact pour pouvoir les faire revenir défendre les couleurs de leur pays. And looking at the group of players that you've had during this tenure, would you say you have the best players that you could ask for to defend the colors of the nation? On ne peut qu'avoir les meilleurs joueurs que si on gagne. Si on remporte la compétition, je pense qu'il faut avoir un groupe déjà qui est homogène, qui est content de venir travailler, de venir défendre les couleurs. Et à partir de là, on espère qu'avec le travail qu'on va les fournir, les informations qu'ils auront, ils deviendront les meilleurs que si on remporte la compétition. And what barometer do you people use to select the players that you want to come and defend the colors of the nation? Is there a particular criteria that you use to select players to play for the national team? Les critères, c'est qu'il faut déjà jouer, il faut avoir un club pour jouer, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Argentine, que ce soit en France, en Europe. Ou il faut qu'on voit ces joueurs jouer dans leur club. Et à partir de là, sur des postes qu'on cherche, on regarde, on fait la balance, qui peut apporter quoi, à quel moment, parce qu'on peut avoir deux joueurs qui ont les mêmes qualités, peut-être que sur un match à domicile, il y a un qui est plus performant qu'à l'extérieur. Donc ça compte, mais le plus important, qu'il soit en activité dans son club. Et on essaye de trouver les joueurs les plus homogènes pour pouvoir former une bonne équipe. And we have seen some very few call-ups from the local championship as far as your tenure with that of Tony Conceição is concerned. Should we expect to get more players from the local championship? Oui, c'est vrai que quand on a pris l'équipe, le championnat local n'était pas encore bien organisé, mais on a vu avant l'arrêt du championnat ou à la fin du championnat, qui avait de très bons joueurs. Le coach est venu ici, il a vu certains matchs. Moi, je suis en permanence ici pour voir des matchs. Donc, il y a certains joueurs qu'on a notés. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de temps que ces joueurs ne sont plus en activité. On va revoir quand le championnat sera lancé, mais ce sera bien pour le football local aussi, d'avoir quelques joueurs en sélection. Mais tout dépendra d'eux, des qualités qu'ils vont montrer. On ne va pas les ouvrir une porte parce qu'il faut absolument prendre des joueurs. Mais ce sera bien qu'il y ait des joueurs du championnat du Cameroun qui sont en sélection.
And in your own opinion, why do you think that it's difficult for most of these local players to really break into the national team? Because most of the times, when we look at the call-ups, we see that probably they pick around one or two players from the local championship and the rest are all from abroad. Mais le problème déjà qu'on a, que ces joueurs ont ici, c'est que ben, ils ont déjà des problèmes. Il y a des problèmes économiques. Il faut voir que ces joueurs, beaucoup, n'arrivent même pas à payer leur loyer. Les clubs ont des problèmes. Donc un joueur qui doit prendre le taxi, qui n'est pas sûr de manger, il ne pourra pas donner le 100%. Je pense que 100% aux entraînements. Et le jour de match, c'est pareil. Donc je pense que au niveau qualité de l'entraînement, je pense que les entraîneurs camerounais sont assez bien formés pour continuer à faire évoluer ce joueur. Donc je pense qu'on doit donner plus de chances, plus la possibilité à ces joueurs locaux, déjà économiquement, de pouvoir être responsables, de savoir que je vais aux entraînements. À la fin de l'entraînement, je veux pouvoir avoir de quoi payer mon repas aujourd'hui et à la fin du match, à la fin de du mois, que le bailleur ne vienne pas là pour le menacer en permanence. Et imaginez, je pense qu'à cette période où l'argent est très difficile, vous imaginez un peu où les clubs n'ont pas de rentrée d'argent, comment ces joueurs peuvent vivre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont des salaires à la fin du mois. And so, how did you receive the news of the postponement of the African Nations Cup? C'était obligatoire. C'était obligatoire que la CAF reporte cette CAN parce que effectivement, l'OMS où on n'arrive pas encore à contrôler cette maladie, le coronavirus. Donc, pour la sécurité des spectateurs, des joueurs, c'est important de prendre un peu plus de temps, le temps de voir s'il y a un vaccin qui va sortir ou nous serons obligés de vivre. Mais je pense que pour la santé du monde du football, il était important de reporter et le CHAN et la CAN. All right, and so, what do you think that we have a team that is capable of winning this African Cup of Nations when it's eventually played in 2023 here in Cameroon? Mais ça va pas être une Coupe d'Afrique facile pour nous parce qu'on en a déjà gagné 5 à l'extérieur. Donc tous ces pays viendront sûrement pour, comme on dit nous, damer le pion. Mais on se prépare. L'impossible n'est pas camerounais. On a confiance à nos joueurs. On a confiance à leur qualité, à l'état d'esprit qui va animer le groupe. On a confiance au peuple camerounais qui viendra nous supporter. On a confiance à nos autorités qui font mont et merveille pour nous mettre dans de bonnes conditions. Donc on prépare l'équipe pour gagner la CAN, mais tout se passera à chaque match sur le terrain. Pierre est un joueur qui nous intéresse depuis que nous sommes là. Personnellement, j'ai eu des entretiens au téléphone avec lui. Malheureusement, il n'a pas encore donné ou à avoir envie de revenir. Mais c'est un joueur qu'on suit. On sait qu'il a beaucoup de qualités, qu'en ce moment, il a beaucoup de réussites et il marquait beaucoup de buts. On espère qu'il va continuer de le faire déjà dans son club et qu'il pourra apporter son savoir, ses qualités en équipe nationale. Okay. All right, coach, away from the national team, let's talk about your career as a manager. We know you've managed a couple of clubs, football clubs like Gamino or Real Colima. Which has been the most successful to you and why do you think you succeeded there? Mais j'ai pris ce métier où ce métier est arrivé à la fin de ma carrière. C'est pas que je voulais être entraîneur. J'ai essayé un peu dans le management de joueurs. Bon, après, je ne me suis pas senti à l'aise. Donc, j'avais des enfants qui allaient au foot. Donc, je les accompagnais. Et un jour, l'éducateur n'était pas là. Donc, j'ai coaché un peu les gamins de 8 ans, 10 ans. Donc, les parents ont aimé. Et puis, on m'a demandé si je pouvais continuer. Donc, à partir du moment où
décidé de prendre ce métier. J'ai fait ma formation en France, j'ai mes diplômes. Effectivement, j'ai commencé à coacher le monde amateur en France, à Châteauroux, où j'ai terminé ma carrière. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller au Mexique, à Colima. Donc, j'ai coaché, je suis revenu, j'ai été appelé en équipe nationale. Je suis parti après au Togo, et récemment au Gabon. Donc, c'est un métier, bon, je ne peux pas dire que métier, c'est la passion. On continue à transmettre ce qu'on a appris sur le terrain, à travers les entraîneurs qu'on a rencontrés, et on essaie de faire un peu son parcours. Now, as a coach, what is that height that you really want to reach as a coach? Comme un entraîneur, quel est le niveau que tu voulais arriver là-bas? Well, comme entraîneur, on rêve toujours d'aller le plus haut. Mais bon, il faut aussi connaître la réalité. À mon âge, je n'ai plus, je suis plus dans un monde de rêver. Ça fait la deuxième fois que je suis entraîneur adjoint. Ça se passe bien. On espère que cette fois-ci, on va aller au bout de nos rêves. Je prends mon travail au jour le jour. Je n'ai pas un projet. Qu'après l'équipe nationale, j'irai entraîner au Mexique, au truc. Je cumule l'expérience et si les opportunités se présentent au Cameroun ou en dehors de Cameroun, je les étudierai et je verrai bien ce qu'il y a fait. Ok, and to you, what is the most rewarding aspect as a coach and a manager? Moi j'aime bien la communication avec les joueurs, c'est-à-dire quand le coach est en phase avec ses joueurs, j'aime cette partie-là. J'aime discuter avec mes joueurs, j'aime être au courant de ce qui se passe dans le truc. Je pense que quand tu as un groupe qui s'entend très bien, c'est très important pour un entraîneur. Now, let's go to your career as a player. For the Cameroon national team. We know you played 73 games for Cameroon, scored 26 goals between 1986 and 1998. So was that game against Argentina in 1990 the best moment in your football career, or there was another? Oui, sûrement un moment de best. Le meilleur, je ne sais pas, mais c'est un moment important. Et pour moi aussi, c'était important parce que c'était ma première Coupe du Monde, le premier match en phase finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, champion du monde, devant contre le meilleur joueur du monde, Diego Maradona. Et j'ai la chance de marquer ce but. Mais je retiens surtout l'état d'esprit, le groupe, les joueurs, parce que pour marquer ce but, il a fallu que Thomas Nkono arrête. Les occasions qui se présentaient, qu'elle ne dit pas qu'elle tacle Maradona du plus profond de lui-même, que Kanabiyik ou Mbo Emile au milieu de terrain courent pour 10, que Makanaki ou Felipe Nfode. Donc Roger Mila, donc tout ce groupe-là nous a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire et de faire vivre au peuple camerounais. Un moment extraordinaire. Et imaginez, ce jour-là encore, le chef de l'État était dans les tribunes, donc on ne pouvait que mourir sur le terrain pour sauver l'honneur du Cameroun. And what souvenirs do you have of that 1990 World Cup, and how can you describe the tournament in your own perspective? Le plus beau souvenir, c'est effectivement ce mois passé en compagnie de mes camarades. C'est ce match contre l'Argentine, la Roumanie, la Russie, même si on l'a perdu, ça nous a remis les idées en place. La Colombie en quart de finale où on n'avait aucun pays africain, en huitième de finale où très peu de pays africains avaient déjà arrivé. Et puis ce fameux match contre l'Angleterre qu'on aurait dû gagner, malheureusement qu'on n'a pas su gérer la fin du match. Pour moi, c'était un souvenir extraordinaire de pouvoir participer à ça,
première Coupe du Monde et d'aller jouer et de jouer les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Et je pense qu'aujourd'hui encore, les gens en parlent parce qu'on a fait du bon football, on a été spectaculaire et on a montré que le football camerounais peut aller très loin. And that was is the probably the best team that has ever taken part at the World Cup competition. Do you feel that 30 years after, this group of players have been abandoned to themselves? Non, on ne peut pas dire qu'on a abandonné. C'est vrai que on espère toujours mieux. Je me rappelle, et je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un circulaire où, quand on a fini cette Coupe du Monde, le chef d'État avait donné l'ordre qu'on nous donne à chacun des joueurs une maison. Bon, mais au lieu d'avoir 22 ou 27 maisons, plus que les encadreurs étaient aussi, le nombre de maisons a augmenté à 50. Les autres maisons partaient où? Donc je pense que le ministre de l'Habitat ou le directeur de la SIC à l'époque a trouvé que ce n'était pas normal. Donc le projet a disparu. Pour certains de nous autres, on ne peut pas dire que le gouvernement nous a abandonnés. Personnellement, ça fait deux fois que je suis en équipe nationale nommée par le gouvernement. Roger Milla est ambassadeur, donc il y a quelques joies comme ça. Oui, mais le plus important pour nous, c'était de faire notre boulot. On l'a fait, on a défendu la couleur du pays. Certaines décisions n'ont pas été respectées du gouvernement. 30 ans après, on ne va pas revenir. On travaille pour reconstruire, pour continuer à développer notre football, en espérant que, oui, il y a cette génération, 90, il ne faut pas oublier la génération 2000 qui a gagné la CAN, 2002 qui a gagné la CAN. Donc, non, il y a des anciens. Les anciens footballeurs qu'on peut exploiter encore leur qualité dans le domaine du football. You made mention of the 2000 team. When you look at the teams of the 1990s, the teams of the 2000s, and the teams that we have now, which of these age groups of players would you say really defended the colors of the nation with passion? Oui, je pense que toutes les générations, quand tout joueur qui vient en sélection est passionné et est heureux de venir défendre les couleurs de son pays. Maintenant, les circonstances peuvent faire en sorte que tous ne se réalisent pas comme souhaité. Nous, personne ne nous attendait en 90, et pourtant on avait des problèmes dans la sélection, dont les primes. Ça va être géré comment? Ouais, on a discuté, on a obtenu. Les primes, on a obtenu l'argent, puisqu'il faut parler, quand on parle de primes, c'est l'argent, on a obtenu, même si personne ne pensait qu'on pouvait gagner un match. La qualité de groupe a fait en sorte qu'on est allé en quart de finale. En 2002, je pense qu'il y avait encore une équipe énorme, avec les Rigobertson, les Kala, les Metomo, et Samuel Eto'o. L'Ingitap, une équipe qui pouvait aller aussi bien en quart de finale, voire en demi-finale. Bon, mais ce problème d'organisation a fait en sorte que tout est parti un peu. En fait, ils ne se sont pas retrouvés au moment de la phase finale. On ne peut pas, personnellement, je n'aime pas comparer les générations. Et je souhaite que chaque génération apporte quelque chose au football camerounais. Nous, on l'a fait en 90. Certains l'ont fait en 82, 84, 88, 2000. Donc ceux d'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a été encore champion d'Afrique, donc 2017. Donc il faut que cette génération travaille pour écrire son histoire. Et leur histoire, dans 30 ans, d'autres vont la raconter comme on raconte celle de 90 aujourd'hui. Exactly. And what was your motivation back then playing for Cameroon? Mais la motivation est énorme encore, plus encore maintenant que je suis entraîneur adjoint. Ce n'est pas les mêmes conditions qu'un joueur. Parce que joueur, je savais que j'étais sur le terrain,
que je pouvais prendre mes décisions, mes responsabilités. Mais un entraîneur, aujourd'hui entraîneur, je compte sur mes joueurs, je dois les transmettre cet état d'esprit, je dois les donner les informations pour qu'ils me trouvent des solutions sur le terrain. Okay. And as far as your playing career was concerned, you played for Canon Sportif of Yaoundé. How was it like playing for Canon Sportif of Yaoundé back in those days and what you have today? Ben, jouer dans le Canon à l'époque, j'espère que c'est encore pareil aujourd'hui, c'était pour tout Camerounais, je pense, tout joueur, une porte d'entrée dans le monde du football. Le Canon à l'époque était l'une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe camerounaise. Ils fournissaient toujours des joueurs en sélection. J'ai eu la chance à cette époque de trouver les Jacques Songo, Koundé, Engoudou, Dan Dagobert, qui m'ont aidé en venant de Puma Football Club en deuxième division de pouvoir m'éclater dans cette équipe. C'était vraiment un moment extraordinaire pour moi. And lastly, in your own opinion, who would you say is that player who has represented the green, red, yellow flag best as far as Cameroon is concerned? Le joueur, non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas désigner le joueur qui a représenté le mieux les couleurs du Cameroun. Parce qu'effectivement, imaginez de l'époque de Mbappé Lépé, ils ont fait des choses extraordinaires pour que le football, pour que l'équipe nationale, donc le maillot du Cameroun soit représenté. Les Ndongo Aliga, les Abega, les Mila, les Mboma, les Rigobert sont vraiment, pour moi, c'est un honneur, c'est une chance que le Cameroun a eu d'avoir des dignes représentants. Des joueurs dignes de représenter leur pays et de défendre les couleurs de leur pays. Et oui, comme coach, je dirais déjà, comme personne, je dirais déjà que en cette période de Covid-19, il est important de suivre les informations, les consignes que le gouvernement nous a données. All right, thank you very much, coach, for talking to La Presse for the match. Ah, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. We have another guest in the house today, and it is none other than the Itamen Gombe of Bamboutousi Football Club of Buda. Good evening, and you're welcome on board the program, Itamen. Well, thank you. Good evening. All right, and so you played for Bamboutousi Football Club of Buda last season, 26 appearances, and you were talisman as far as the defensive compartment of that team is concerned. Can you describe for us how your season was with Bamboutousi Football Club of Buda? Ouais, c'était une très belle saison. C'est une très belle saison. Dans la mesure où on avait les meilleurs éléments, on avait de très bons joueurs, on avait un très bon staff technique. Ah, mais malheureusement, on n'a pas pu aller loin, puisque voilà, l'objectif qui a été donné par le staff administratif était d'assurer le maintien et d'aller le plus loin possible. Et pour nous, les joueurs, à un moment, on s'est dit on pouvait titiller le haut du tableau. Pourquoi pas prendre le trophée de champion? Mais malheureusement, on n'a pas pu atteindre parce que la pandémie est arrivée. Le championnat a été contraint d'être arrêté. Voilà. On est content de notre position. Dieu merci, on est vivant. Je pense que c'était ça le plus important. And going into last season, with all the recruitment that Bamboutousi Football Club Buda did, with all the big name players that came into the club, everybody was expecting that they would be fighting for the top of the table. And why not finish champions with a coach like Laurent Jam, who won the Cup of Cameroon as well as the league with UMS of Loom coming in? What didn't really go well as far as this team was concerned? Oui, je ne peux pas vous dire ce qui se passait parce que je ne sais pas. Le coach, il était bon, il était champion avec UMS. Les joueurs, ce sont des joueurs qu'on connaît, de qualité. Donc, on avait tous les ingrédients pour être champion. Voilà, comme on dit, c'est le football. C'est le football. On a tout donné, on a donné ce qu'on pouvait. Et la nature en a décidé autrement. C'est PWD qui est resté vainqueur.
et on va continuer à travailler. Et voilà, je ne sais plus si on va avoir la même équipe la saison prochaine. Mais si on est encore là tous, je pense qu'on va tout faire pour rectifier le titre. Mais si on n'est plus là, voilà, Bamoutos va continuer. C'est une très bonne institution. Ils vont continuer à recruter des très bons joueurs et je pense qu'ils vont rectifier les petites fautes que le staff administratif peut-être n'a pas su gérer pour qu'on puisse atteindre les objectifs. C'est vrai que ce n'était pas déjà facile parce que, vous savez, dans une équipe n'a besoin que de 4 défenseurs puisque c'est 2 qui jouent et 1 attend dans la liste et 1 est là, voilà, il est au gradin. Donc 2 peuvent jouer presque toute une saison. Donc quand on est dans, on devient 6, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il fallait déjà dans un premier temps essayer de décaler Jacques Bayem en latéral. Voilà, maintenant on est resté là, je crois, 5. C'était vraiment difficile, mais là maintenant il fallait travailler. Il fallait pousser, il fallait être fort mentalement. Il ne fallait pas craquer. Et il fallait profiter de chaque minute ou de chaque match que le coach allait donner. Dieu merci, dès la préparation, j'ai su prendre les choses. Le coach m'a fait confiance dès le début. Le coach m'a donné ma place. Il m'a donné mes quelques minutes. Voilà, moi j'ai prouvé. J'ai donné la pleine mesure de moi-même. Et je pense qu'il a été satisfait. C'est pour ça que j'ai continué à jouer. Donc il y a le travail, il y a eu la discipline. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Donc je pense que sacrifice dans le bon sens. Donc le travail, voilà, ce qui englobe. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est juste que j'ai juste profité de mon temps qui m'avait été donné. All right, and playing for Bamoutos Football Club of Buda with the likes of Nuk Minka, who is a legend as far as Cameroon football is concerned. How did he inspire you into the fact that he was a defender when he was playing back in his days and the technical director of Bamoutos where you played under? Oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Pas moi seulement, il nous a beaucoup apporté, à nous les défenseurs centraux. Avec lui, on parlait généralement tout le temps. Et à chaque fois qu'on jouait, il n'était pas loin de nous. Il était toujours soit derrière les goals. Et on entendait toujours sa voix qui nous rappelait à l'ordre. Quand il y avait un truc, il nous parlait. Il était toujours avec nous, que ce soit après le match à l'autocritique. Quand on finissait l'autocritique avec tout le monde, il nous appelait à côté. Il nous disait ce qui n'allait pas. Il nous a beaucoup conseillé. Je pense que le fait même que je fasse une très bonne saison en défense centrale, je pense que c'est aussi grâce à lui parce qu'il m'a aidé, il m'a parlé, il m'a conseillé, il m'a donné les ingrédients, il m'a montré certaines techniques que je n'avais pas. Grâce à lui, j'ai eu encore un peu plus d'expérience, j'ai appris, il m'a donné des notions. Donc à lui, je lui dis encore un grand, grand merci. Voilà, j'aurais souhaité être encore avec lui autant d'années possible, mais puisque c'est le football, je ne peux pas vivre avec lui continuellement, mais ses conseils, je les mettrai toujours en valeur et je lui serai vraiment toujours reconnaissant. And most people say you were one of the best defenders, center defenders, as far as last season is concerned. How would you describe your season with Bamoutos Football Club of Buda? Personnellement et personnellement, je sais que j'ai fait une très bonne saison parce que je me suis préparé pour. Et je ne vois pas un joueur qui va commencer une saison et se préparer pour être mauvais. Donc je me suis préparé pour faire une très bonne saison et je dis toujours Dieu merci parce que c'est lui qui me donne la force. J'ai fait une très bonne saison. Voilà, après moi je ne me prends pas comme le meilleur parce qu'on n'est pas meilleur quand on n'est pas encore à l'équipe nationale des A. On n'est pas meilleur quand on n'a pas un contrat super professionnel. Donc pour moi je ne me prends pas comme le meilleur défenseur. Je vois que moi je travaille, je cherche à progresser, je cherche à atteindre le plus haut niveau. Voilà, quand je vais atteindre le plus haut niveau où il y aura les meilleurs, je me compare au meilleur, c'est là où je vais voir si je suis vraiment l'un des meilleurs défenseurs. Donc pour l'instant, je suis un joueur lambda. Je cherche à progresser, je cherche à travailler. Je suis un défenseur au même titre que les Job, au même titre que les Nguédé, au même titre que les Moukoko, au même titre que les Ishabé, au même titre que les autres défenseurs. Voilà, chacun avec ses qualités. On cherche tous à progresser parce qu'on sait où on se trouve, on sait où on est. Il n'y a pas de meilleurs, les meilleurs sont où ils doivent être. Maintenant, si on veut être meilleur, on doit travailler, progresser pour arriver là. And Clovis made mention of the fact that there was a lot of competition as far as that Bamoutos team is concerned, especially in defense. Coming into this team, how did you see yourself? Did you see yourself like somebody who was going to be rock solid as far as Bamoutos is concerned, or you came in and fought for your place in that team? Non, moi, j'ai pas eu peur puisque moi je suis quelqu'un qui aime la concurrence. Pour moi, si on veut voir mon meilleur football, c'est quand il y a la concurrence. Quand il n'y a pas la concurrence, mon football ne sort pas. Je le sais. Moi, j'aime aller où il y a la concurrence, où il y a des bons joueurs, il y a des meilleurs à mon poste. C'est là où on voit vraiment les meilleurs.
Voilà, donc moi j'ai vu la concurrence, j'étais content. Je me suis dit, ok, c'est là où c'est l'occasion de progresser, c'est l'occasion de travailler doublement pour essayer d'arracher une place. Parce que je savais que pour jouer là, à cette défense-là, il va falloir beaucoup travailler, il va falloir être discipliné, il va falloir faire plus que les autres. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai travaillé. Peut-être même que je n'ai pas fait plus que les autres, mais la confiance que peut-être l'entraîneur avait vis-à-vis de moi et l'autorité que j'ai arrachée, voilà, peut-être c'est ça qui m'a permis d'avoir l'avance par rapport aux autres. Donc moi j'ai pris ça de manière professionnelle, j'ai pris ça de manière saine, la concurrence était saine, mais il n'y avait pas de soucis. Samken? Oui, juste pour, c'est pas une question, je voulais juste apporter un peu de l'eau à son moulin pour vous montrer combien Etamine Gombe était important dans cette saison à Bamoutos. Puisque nous sommes à Odia, oui, match Bamoutos affronte AS Fortuna. Etamine Gombe commence ce match le banc de touche. Bamoutos est mené, je pense, par 1-2. Etamine Gombe encore ce banc de touche. C'est lorsque Etamine fait son entrée qu'on voit comme ça Bamoutos sonner la révolte. Et en fin de compte, Bamoutos en sort avec un match de 2-2 partout. Et Etamine Gombe, dans ce match, il aurait même pu marquer parce qu'il y a ce coup de tête qui prend le poteau de Deschamps Minko de AS Fortuna. Donc c'est pour dire combien ce jeu était important pour Bamoutos lors de cette saison. All right, and so when are you still in contact with Bamoutos Football Club of Bunda, or you're looking to move elsewhere as far as the upcoming season is concerned? Ouais, pour l'instant, je suis un joueur libre. J'avais signé une saison avec Bamoutos et là, je suis en fin de contrat. Je suis encore à la maison, le mercato il est encore ouvert. C'est vrai qu'il y a pas mal de propositions, mais je peux faire attendre, je suis encore là, je n'ai encore rien décidé. Je ne sais pas si je vais repartir avec Bamoutos, mais je ne pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Pas que ce n'est pas une très bonne équipe, hein, mais juste que moi je suis quelqu'un qui progresse. J'essaie de regarder un peu plus haut, j'essaie de travailler, de progresser et de grandir. Voilà, donc si l'occasion m'est présentée d'aller vers un nouveau challenge, je n'hésiterai pas à partir. Donc pour l'instant, je suis encore là, je ne sais pas encore où je vais jouer, je ne sais pas encore où je vais aller. Je suis à la maison, j'y réfléchis avec mes conseillers, j'essaie de voir ce qui sera bien pour moi pour faire le très bon choix le moment venu. Okay. All right, and so coming back into this championship, you won the league with Eddingsport for the league a couple of years ago. And coming back, how did you see the organization as far as this competition this last season was concerned? Oui, j'ai trouvé ça bien. C'était bien organisé dans la mesure où le calendrier était respecté. Voilà, le CTT a respecté les dates. Et ça se jouait les dimanches, mercredi, dimanche, ça se respectait, les dates et tout. Donc je pense que ça a été très bien organisé. Maintenant, on aurait souhaité que ça arrive jusqu'au bout, où on voit le champion entier soulever son trophée, où on voit les awards, parce qu'on travaille aussi pour ça, pour avoir des awards. Mais ça n'a pas pu, ça n'a pas été le cas, parce que la pandémie est arrivée et il allait de notre santé. Donc, dans l'ensemble, c'était bien. Moi, j'aurais préféré voir la fin. Ouais. And so, let's talk about your time with the Intermediate Lions of Cameroon, the Lyon Aprim. So, when you were given that first call-up by coach Yves Clément Aroga, how was that feeling like? Oui, j'étais ému, j'étais content parce que il n'y a pas un joueur qui n'aimerait pas jouer avec sa sélection nationale. Je pense que c'est un rêve de tout footballeur de jouer avec sa sélection. Donc être appelé avec les Lions Aprim pour préparer le CHAN, c'était le couronnement d'une très belle saison que j'étais en train de faire. Donc j'ai été récompensé et moi je me suis dit ok, c'est bien, maintenant il faut aller là-bas et montrer de quoi on est capable. Le plus dur, peut-être je dirais plus facile a été fait, être appelé. Le plus difficile maintenant sera de prouver. Et je pense que je suis arrivé, même comme on n'a pas eu assez de temps. La préparation n'a duré 2 semaines, on n'a pas eu assez de temps. Mais pour le peu de temps qu'on a passé là-bas, je pense que chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Donc on est content. On rend toujours grâce à Dieu parce que malgré tout, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident majeur. Donc on est toujours là. And how was the welcome like from the other teammates in the Intermediate Lions then? C'était bien parce que j'avais déjà des coéquipiers en sélection, ils étaient déjà 5.
je faisais le sixième joueur. Donc je n'avais plus déjà les problèmes. Et hormis mes coéquipiers, j'avais déjà des amis comme Etabawak, comme Len Samuel, comme Ebongé, comme... Voilà, ils sont nombreux là-bas, je ne peux pas tous les citer. Oui, Moyopo, mon ancien, mon coéquipier, Tchentche, Béo, Bato, voilà, ils étaient nombreux. Donc je savais où je venais, c'était déjà une famille. Et j'ai cité les gens avec qui j'avais l'habitude de jouer, que j'avais l'habitude de jouer. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens, j'ai beaucoup joué avec ces personnes, donc c'était facile l'intégration. Donc je suis arrivé là comme un ancien dans la tanière, donc c'est allé très rapidement. And how was training like with the likes of Yves Clément Aroga and Ndoumbé Emmanuel Bosso? Très bien, c'était la première fois que je travaille avec les deux. Voilà, bon, c'était pas très difficile. Voilà, puisque ces deux grands entraîneurs, ils nous ont apporté ce qu'on avait besoin. Ils nous ont aidés, les entraînements étaient bien. C'était bien coordonné, il y avait de la discipline. Voilà, avec l'expérience du coach Ndoumbé Bosso et l'expérience du coach Yves Clément Aroga et tout le staff technique, je pense qu'on se sentait bien et je pense qu'on était prêt même. On était prêt, contrairement à ce que les gens disent, qu'on n'était pas prêt, mais je pense qu'on était prêt. Je ne dis pas qu'on allait gagner la finale ou on allait gagner la coupe, mais on était quand même prêt pour faire une très bonne compétition. You handle that. How did you handle the pressure playing for Bambuto's Football Club of Buda and playing for the Intermediate Lions of Cameroon? How difficult was it? Non, ce n'était pas difficile. C'était pas difficile parce que quand tu es un footballeur, tu es appelé à être en club et en sélection. Donc aujourd'hui, on était en club et on a été appelé en sélection. Donc on continuait à jouer de manière simple. C'est vrai que la sélection donne un peu beaucoup plus de pression parce que c'est la nation, vous représentez près de 23 millions d'habitants que vous avez sur le dos. On sait que ce n'est pas déjà facile, mais en club, c'était naturel, on jouait et on évitait de se mettre la pression dans la tête. On était tranquille, on était simple. Quand on arrivait en sélection, on faisait juste le job, on n'avait pas à se dire beaucoup de choses. C'était le travail, la discipline, le respect. Voilà, c'est un peu ça. All right, and so let me take you back to this question because all throughout the season, Bambuto's Football Club of Buda had a lot of players that were called up to this Intermediate Lions camp. At one time, they had five players at the camp. And so do you think it affected the performance of Bambuto's Football Club of Buda this season with most of their key players being called to the Intermediate Lions then? Oui, c'est vrai que c'est les joueurs importants qu'on appelait en sélection. C'est des joueurs en ce moment qui étaient très en forme. Mais ce n'est pas à cause d'eux qu'on ne gagnait pas ou on faisait des contre-performances. Non, il y avait Bambuto, ça a recruté un certain nombre de joueurs avec des doublures. Voilà, c'est juste que on n'arrivait pas nous-mêmes à prendre les choses en main. Parce qu'avec ces joueurs qui étaient en sélection, on a perdu des matchs, on a fait des nuls. Donc ces mêmes joueurs étaient là, on a gagné, on a perdu. C'est la même chose avec ceux qui remplaçaient les internationaux. On perdait et on faisait des nuls. On gagnait. Donc je pense que en gros, c'était les contre-performances de tout le monde. C'est l'équipe qui n'était pas peut-être bonne en une certaine période. Et ça tombait peut-être que c'est quand les internationaux ne sont pas là que peut-être on fait des contre-performances. Mais je pense que ça n'avait rien à voir. On ne pouvait que s'en prendre à nous-mêmes. C'est nous les joueurs qui n'avons pas été à un certain moment à la hauteur des attentes. Donc, on ne peut que mettre ça sur nous-mêmes. Okay. Lui est en train de mettre pour rigoler un petit peu. On sait que votre modèle à votre poste, c'est Sergio Ramos. Mais Sergio Ramos, c'est un défenseur, il marque beaucoup de buts. Mais vous n'en marquez pas beaucoup. Qu'est-ce que cela Oui, c'est le fait que, je vais l'avouer aujourd'hui, c'est le fait que je travaille pas assez devant les buts. Je ne fais pas des entraînements spécifiques pour ce genre de choses. C'est pour ça que je ne marque pas encore, mais j'ai déjà mis ça dans un coin de ma tête. Pour être un très bon défenseur moderne, il faut déjà marquer les buts comme Van Dijk, comme Matip, comme Ramos, comme Gandé qui le fait, comme Koulou qui le fait. Donc c'est parce que je ne travaille pas assez spécifique dans ce sens-là. Je pense que je vais commencer à travailler comment marquer les buts sur les corners et les coups francs. Voilà, c'est un peu ça. Donc je pense que Ramos n'est pas né comme ça. Quoi qu'il est né, et il a commencé à travailler ça. Et aujourd'hui, je pense que si je commence aussi à travailler,
je peux être un Ramos aussi en marquant des buts. All right, and last season, which game would you say was the best game for you as far as last season was concerned with Bambutos Football Club Bouda? Le meilleur match que j'ai fait avec Bambutos, que j'ai gardé le plus, c'est contre Fortuna à Yaoundé, où on fait 2-2, on est mené 2-0 chez Auban. Et j'entre et je donne vraiment tout ce que j'ai. Ce match-là m'a vraiment marqué. C'est ce jour-là que je me suis encore dit une fois de plus que j'ai des choses encore à démontrer. Que j'ai du génie, j'ai des trucs encore dans mon corps. Il suffit seulement de continuer à travailler et de croire en moi. Je pense que je ferai de très bonnes choses. Right. And lastly, in the next 5 to 3 years, where do you see yourself? Ouais, non, d'ici 5 ans, ce qui est sûr, je me verrai professionnel confirmé. Ça, c'est pas à demander, c'est sans prétention, hein, parce que je travaille pour arriver au haut niveau. Ça veut dire que dans ma tête, je dois arriver au haut niveau et je pense que je vais arriver, parce qu'il n'y a pas de quoi se retenir. Si Dieu me donne la force de ne pas me blesser, d'être en santé, je pense que je vais arriver au haut niveau. Donc d'ici 5 ans, je pense que je serai déjà professionnel confirmé et je défendrai les couleurs de mon pays que j'ai tant hâte de défendre. All right, thank you very much, Etame, and it's been a pleasure having you on board La Presse refait le match. Ouais, merci, le plaisir était vraiment partagé. You're welcome back, ladies and gentlemen. Just like we told you, we are with one of the players of the League One Championship. We're talking about Tamo Jires. Timo, hello Jires, and you're welcome on board the program. Oui, bonjour Jean-Paul, comment vous allez? I'm fine, and you also, how has your day been so far? C'était une matinée vraiment très 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 difficile. Oui, comme ça je sors de l'entraînement. Oui, déjà avec la trêve que nous avons eue depuis presque pratiquement 2 mois. Oui, il faut que je me mette en jambe et depuis pratiquement 1 mois. Oui, le coach Toa nous a sollicité quelques joueurs de l'Éloigne pour qu'on puisse garder la forme avec certains professionnels. Christian Bassogok et Gandu, Michael Gandu, oui, nous travaillons ensemble au parcours à Copacabana là-bas à Makepe. Yeah. Oui. Donc comme ça là je sors des entraînements. Et c'était sous une pluie vraiment intense aujourd'hui, vraiment ça n'a pas été facile. Definitely. Oui. All right. Oui, vraiment. J'ai choisi ce groupe où je suis actuellement parce que vraiment c'est un groupe qui travaille. Déjà, le coach Richard Toa, c'est un très grand entraîneur et il connaît quoi vraiment nous donner comme exercice pour que nous soyons toujours en forme. Donc, j'ai choisi ce groupe parce que vraiment, il travaille bien et je travaille avec des gars, des compétiteurs, des gars qui ont déjà le bon niveau et ça me permet d'avancer, oui, de pouvoir augmenter ma performance, oui. Okay, so I would like to ask now, how has your training session been? How has it been going? And with everything that is going on, I hope the training session has been as smooth as you would have wished. Oui, la séance d'entraînement d'aujourd'hui vraiment a été très bien. Déjà, nous avons travaillé en grande intensité. Oui, nous avons travaillé aujourd'hui en grande intensité. Ça a été court, pratiquement 1h30 de séance d'entraînement, mais très intense. Oui, le coach a sollicité vraiment toutes les parties du corps. Oui, on travaille aussi beaucoup plus sur le cardio. Oui, pour pouvoir avoir un bon niveau cardio, un bon niveau de poumons, quoi. Oui, pour pouvoir supporter les 90 minutes d'un match. Oui, surtout en cette période. All right, and so now let me take you back to last season. You were with Stade Rennais of Melun. And so how would you describe last season as far as the League One Championship is concerned? Oui, la saison dernière vraiment à Stade Rennais, oui, ça n'a pas été vraiment comme nous l'avons souhaité, puisque les objectifs pour nous étaient de jouer le haut de tableau. Oui, mais au courant du championnat vraiment nous avons eu des petites lacunes, oui, qui nous ont plongé un peu vers le bas, mais nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué à travailler et avant que la pandémie arrive, nous étions 12e du classement, donc on était à l'abri
de la relégation. Et le président nous avait dit de garder le maintien, oui. Que ce qu'on a à faire, c'est se maintenir. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce que le championnat finisse. And would you say you achieved your objective that you set at the beginning of the last season? Déjà l'année passée, oui, l'année passée, j'avais pour ambition de marquer autant de buts, d'être le goleador. Et ça n'a pas été le cas, mais je me suis battu. J'ai marqué 7 buts, oui, 7 buts à mon compteur, et avec 6 passes décisives. Donc, oui, je vais continuer à travailler pour préparer les saisons à venir, oui, et pouvoir vraiment atteindre mes objectifs comme je suis en train de le promettre. All right, and are you still with Stade Renard of Melong? Are we expecting a contract extension, or you have offers from other clubs in Cameroon or out of Cameroon? Oui, actuellement, je suis en fin de contrat avec mon équipe Stade Renard de Melong, et je n'ai pas encore vraiment fixé mes objectifs pour la suite, mais d'ici quelques temps. D'ici quelques semaines, je vais pouvoir vraiment être clair pour pouvoir choisir, pour pouvoir me situer et choisir le bon camp. C'est ce que je peux par là dire. Okay, and so something you followed him all throughout the season as well as Stade Renard of Melong. Before we enter into his profile, what more do you have to add as far as his play last season was concerned? Yes, I think Tamo Giras, he had a I can say an average season because he had certain injuries, and that's considering that I've had a question to ask him because I'd like to know what is his physical form right now, because I know that last season he had some difficulties. And first of all, I'd like to congratulate him on this goal that he scored against Canon of Yaoundé. I better put it in French so that he can understand better. Je parle de ce but qu'on a marqué contre le Canon de Yaoundé à Oja, où il y a débordement de Dings le côté droit, et il fait comme ça un centre, et vous réagissez comme ça du deuxième poteau, et vous faites une tête décroisée vers le deuxième poteau, et ce qui vous permet de battre le gardien, et c'était comme ça l'ouverture de score. Donc j'aimerais déjà vous féliciter pour ce but, donc ça a été vraiment une action de classe. Oui, bon, en parlant de votre forme physique, j'aimerais donc savoir dans quel état physique vous vous trouvez présentement, parce qu'on sait que la saison passée, vous avez eu quelques pépins physiques. Oui, déjà vraiment l'année passée, j'ai eu vraiment quelques pépins physiques, et actuellement vraiment je suis à 4 semaines de travail intense avec le coach Richard Atoa, vraiment, et il fait vraiment un travail consistant qui nous permet d'être physiquement prêt, et je peux vous rassurer que actuellement physiquement je suis au point. Oui, déjà 4 semaines de travail avec lui, vraiment je me sens mon corps, je suis bien physiquement, et ça va me permettre de pouvoir continuer la suite de l'édition des échanges, quoi. Okay. And so, which game in particular did you enjoy last season that you can really describe that this was one of the best season that this was the best game that Tamo Giras took part in? Mon ami Sokem parlait tantôt. Le moment de référence c'était le match que nous avons joué à Oja contre Canon de Yaoundé. Oui, on joue à l'extérieur et nous les avons damé le pion 2-0. Et c'était un match où vraiment j'ai sorti vraiment tout mon jeu ce jour, et pour permettre à mon équipe de gagner ce match. Donc j'ai vraiment fait du boulot. Oui, j'ai travaillé très très dur dans ce match pour pouvoir porter mon équipe au sommet, et grâce à Dieu nous avons gagné 2-0. Donc c'est un match de référence pour moi. Definitely. All right, so let's now get to discover the person behind the name Tamo Giras. Timo, now tell us what made you decide to choose football as a passion or a form of a profession? Oui, vraiment, le football, ça a été ma passion dès le début, parce que mon père d'abord était un footballeur, et mon père a joué au football, même comme il n'a pas joué au niveau, et déjà il a mis son dévolu sur moi. Il a dit que oui, mon fils, tu joueras au ballon, et dès le bas âge il a commencé à me soutenir, oui,
Il a commencé à me soutenir et au fur et à mesure, j'ai avancé dans le ballon jusqu'à ce que je découvre le niveau professionnel. Donc vraiment, ça a été vraiment une passion pour moi de jouer au foot. Okay, so can we say your father was like an influential figure in your career, or there was someone else that really influenced you to really become a footballer? Oui. Déjà, quand je grandissais, oui, mon père me parlait il m'a parlé d'Alain Giresse. D'où vient mon nom Giresse? Oui, d'où vient mon nom Giresse? Ça a été un modèle pour lui. Et il me faisait voir ses cassettes de match. Oui, et moi aussi particulièrement, je l'ai aimé. Et c'était un modèle pour moi. Et avec l'avancée, avec le temps qui passait, j'ai aussi admiré des joueurs comme Samuel Etofis, qui est un modèle pour moi, qui est un exemple pour moi. Et j'aimerais vraiment le suivre, j'aimerais vraiment travailler pour atteindre son niveau. Oui, Thomas Gérès, lorsque vous voyez physiquement, vous avez des traits semblables à celui de l'avant-centre argentin Kun Agüero. Est-ce que c'est un joueur qui vous inspire? Oui. Kun Agüero, c'est un joueur qui m'inspire beaucoup de par sa puissance, sa technicité. Et moi, j'essaie de jouer un peu comme lui, parce que quand je suis arrivé à Stade Renard de Milan, c'est le nom qu'on me l'a donné, Kun Agüero, parce que je jouais un peu. Et tout le monde me disait que Gérès Tamo, tu joues vraiment comme Kun Agüero. Et désormais, on va t'appeler comme cela. Donc, c'est comme ça que quand j'étais dans un stade, quand j'étais dans un match, c'est comme ça que je suivais Kun Agüero, vas-y, Kun Agüero. Et de là, on a commencé à m'appeler ainsi. Ok, and so we know you've played in a lot of teams in Cameroon, Young Sport Academy of Bamenda, Stade Renard of Melon. So, which coach has really had an influence on you as far as your footballing career is concerned? Oui, merci. Merci pour cette question. Oui, déjà, ma carrière vraiment a débuté à Young Sport de Bamenda, puisque j'ai fait une saison à Bamboutos, mais ça n'a pas été vraiment comme je pensais. Mais quand je suis arrivé à Young Sport, j'ai rencontré le coach Emmanuel Doumbé Bosso, qui a vraiment été un père et qui continue à l'être pour moi. Donc c'est lui qui a vraiment marqué un signal pour ma carrière, lui qui m'a transformé. Puisque moi j'étais un meneur de jeu, je jouais comme 10, technicien, mais je me retrouvais toujours dans les matchs à avoir des occasions de but où je marquais quelques, je marquais d'autres. Il m'a dit, mon fils, vraiment, je préfère que tu commences, que tu joues en avançant. Donc là-bas, toi, tu pourras marquer autant de buts puisque tu as les capacités. Et c'est comme ça là qu'il m'a transformé. Et je suis devenu un avant-centre de pointe, un buteur. Et vraiment, je tiens vraiment à le remercier pour ses œuvres dans ma carrière. Donc il a vraiment été un soutien. Il est bien vrai, il y a les coachs où je suis passé qui ont été vraiment aussi des soutiens pour moi. Et je tiens vraiment à les remercier, tous ces encadreurs qui m'ont, tous ces entraîneurs qui m'ont accompagné dans le métier que j'ai choisi. Oui, je suis très content que vous ayez choisi le coach de Doumbé Bosso. Mais moi, là, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Parce que vous quittez Yossa pour Stade Renard lorsque Doumbé Bosso est encore à Yossa. Bon, pourquoi donc êtes-vous parti de Yossa pour Stade Renard, sachant que le coach de Doumbé Bosso était encore à Yossa? Déjà, j'étais en fin de contrat et j'ai décidé, puisque j'avais fait il y a 2 saisons à Young Sport Académique de Bamenda, et vraiment il fallait que je change d'air, que je puisse découvrir d'autres horizons. Donc ça a été ce qui m'a fait quitter Young Sport Académique. Donc il n'y avait pas de souci majeur, il n'y avait pas de problème, et j'ai causé avec le coach. Il a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Si je veux découvrir d'autres horizons, il n'y a pas de problème. Je peux aller. Oui, est-ce que voyez, que répondez-vous à ceux qui pensent que ça a été un choix financier? Et après cela, question à deux volets. Deuxième volet de la question, est-ce que vous pensez que vous avez fait un bon choix à ce niveau? Déjà, financier, je peux dire,
ça a été un peu, oui, financièrement, ça a été un peu au-dessus. Oui, déjà par rapport à Young Sport Académique, oui, ça, le choix financier a prévalu. Oui, mais ce n'était pas vraiment foncièrement les finances qui m'ont mené là-bas. Moi, je voulais vraiment découvrir un autre standing, oui, découvrir un autre visage, oui, du championnat. Jouer dans un autre club où il fallait que je puisse encore m'imposer comme je l'ai fait à Young Sport Académique. Et parlant de choix, je peux dire que ça n'a pas été un regret pour moi puisque je suis toujours dans l'exercice de mes fonctions et je compte encore beaucoup donner dans ce championnat. Oui, je compte beaucoup donner dans le championnat et peut-être aussi à l'extérieur du pays. All right, and so let me ask this question now. What part of your game do you think makes you exceptional and makes you stand out whenever you're on the football pitch? Oui, moi j'aime, déjà parlant de phase de jeu, moi j'aime les 1-2. Oui, les 1-2, quand je fais une passe à mon alcoolique, oui, qui me remet ça dans le dos de la défense. Oui, et aussi les appels en profondeur. Oui, que j'aime vraiment, bon, puisque j'aime me déplacer sur le stade, oui, et les appels à profondeur là, puisque quand les défenseurs n'aiment pas que les ballons, qu'on leur donne des ballons en profondeur, donc c'est un peu difficile pour eux. Et quand on me met les ballons là, avec la vitesse, moi j'essaye de marquer les buts. Donc ce sont mes meilleures phases de jeu là-bas. Et il y a aussi des centres où j'accélère, je coupe au premier poteau pour changer la trajectoire du ballon. Donc ça dépend des actions de jeu. Okay, and Clovis, we know you watched a lot of games last season, especially with Stade Rennais of Melong. And so, when you look at that team, with and without Jerez up front, how were they handling their game as far as that was concerned? I think Stade Rennais without Gitamo Jerez is a different team because you noticed at the beginning of this last season, he had a problem. Maybe he'll tell you why. Because last season, I think it started with. The season before last, they started with UMS of Lumba. Last year was with Stade Rennais. So Stade Rennais without Tamo Jerez, it wasn't the very team. But when he was there, we could see the Stade Rennais playing, going up forward and trying to score goals. And so what I can simply say is that Tamo Jerez, Stade Rennais with Tamo Jerez was better than Stade Rennais without Tamo Jerez. And so, when you look at your career, how do you say you handle your pressure as far as big games are concerned? How do you prepare for big games? How do you handle the pressure that comes with playing in this level of football? Ouais, déjà pour jouer un match, ce n'est pas le jour du match même que tu abordes. Oui, il faut déjà en semaine. Oui, quand on veut préparer un match qui va se jouer le dimanche, on est déjà concentré aux entraînements. Oui, déjà voir, faire réussir à toutes les actions de jeu aux entraînements pour pouvoir le concrétiser le jour de match. Et quand le jour arrive, alors il faut être très concentré. Moi particulièrement, je dors très tôt à la veille de match. À 20h30, je suis couché et je commence à penser à mon match du dimanche matin, du dimanche dans l'après-midi. Donc, c'est un peu comme ça que je prépare les matchs. Et le jour même, le jour dit, je suis concentré, je ne parle pas avec mes coéquipiers au vestiaire. Moi, je pense aux actions, aux deux belles actions que je pourrais avoir pour mettre au fond. Parce que c'est ça l'avancement. L'avancement, c'est le but. Oui, qui va pouvoir sortir son équipe. Oui, qui va pouvoir donner la victoire à son équipe, disons. Donc, c'est une lourde responsabilité, c'est une lourde charge. Et c'est comme ça là que je me concentre pour pouvoir jouer mes matchs. All right, and for all the clubs that you've played for in Cameroon so far, which person can you really pick out to say this is one of the best persons I've played with or the best person I've played with in my career that really makes me to really want to be a better player? Le meilleur coéquipier, j'ai plusieurs coéquipiers avec qui je m'entends, oui, avec qui j'aime jouer dans le jeu. Donc ils sont tellement, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux.
Ah, Cornelius, vraiment, c'est un grand frère que j'admire beaucoup. Vraiment, il m'a beaucoup soutenu à Kanfou Guibert. Vraiment, ce sont des grands frères qui m'ont beaucoup soutenu quand j'étais à Lyon Sport Académique. Et à Stade Renard aussi, il y a beaucoup de gars qui me soutiennent, avec qui on s'entend. Et dans le jeu, ça passe facilement. Ok, and so which is the toughest team that you've ever faced in your career? Oui, vraiment, il y a eu des matchs qui ont été vraiment compliqués pour moi. Et il y a l'équipe de UMS de Loum, voilà. C'est une défense, c'est une équipe vraiment qui m'a toujours donné du fer à retordre. Oui, il est bien vrai, j'ai évolué à UMS de Loum, mais plutôt en Champions League. Oui, j'ai joué la chambre l'année passée, la saison passée. Oui, j'ai signé à UMS de Loum où j'ai évolué, j'ai joué à la Champions League, mais ça n'a pas vraiment été ça puisque j'étais encore sous contrat avec Stade Renard. Ce qui m'a un peu vraiment frustré, ce qui m'a beaucoup été un coup dur pour ma carrière puisque j'ai fait toute la phase à aller sans jouer. Mais avec l'entente des deux présidents, oui, je suis revenu à Stade Renard de Milan où j'ai fini la saison. Oui, Tamo Jerez, bon, on aimerait que vous nous expliquiez cela clairement. Puisque en pré-saison, moi je vous vois au Stade Sikam avec UMS de Loum en préparation. Après, vous jouez la Ligue des Champions. Mais quand le championnat commence, toute la phase allait, on se demande, mais où est passé Tamo Jerez? Parce que vous ne jouez pas du tout. Mais moi, j'étais à Loum lors du match derby régional, Stade Renard contre UMS de Loum. Vous étiez dans les gradins, vous ne jouez pas. Mais après, la phase retour, donc, on vous revoit à Stade Renard. On voit comme ça la finale de la Coupe du Cameroun, vous êtes au banc. Mais Tamo Jerez, que s'est-il passé? Oui, vraiment, j'ai eu vraiment un coup très, très dur. Oui, ça a été vraiment un moment de ma carrière où je n'aimerais pas penser. C'est que quand je m'engage avec UMS de Loum, c'était particulièrement pour moi, c'était mon objectif, c'était pour la Champions League parce que j'avais envie de relever les défis. Oui, quand mon président de Stade Renard, puis un président qui m'aime beaucoup, oui, puis il m'avait dit que pour quitter Stade Renard, il faut que je quitte Stade Renard pour un club étranger. Que vraiment, pour lui, il aimerait que je joue à Stade Renard. Et s'il faut que je parte de Stade Renard, il faut que je quitte pour aller à un club étranger. Et quand je suis allé à UMS de Loum, ce n'était pas avec son accord. Et il s'est fâché. Il a dit qu'il ne devait pas me laisser partir. Donc c'est pour ça qu'il a mis les bouchées doubles pour que je puisse revenir à Stade Renard de Melun. Donc déjà, je m'entraînais avec UMS de Loum. Après la Champions League que j'ai joué et que j'ai bien joué. Mais je ne pouvais pas, en championnat, je ne pouvais pas jouer puisque ma licence n'était pas sortie à UMS de Loum. Oui. Ma licence est sortie plutôt à Stade Renard. Donc ce qui m'a coûté toute la phase aller sans jouer. Et c'est avec beaucoup de négociations au Mercato que j'ai fini par rentrer à Stade Renard où j'ai joué la phase retour avec Stade Renard. Et déjà, quand je reviens à Stade Renard, ce n'est plus facile parce que déjà, mon public, oui, m'avait vomi, oui. Déjà, ils ne croyaient plus en moi, ils ne me regardaient plus vraiment d'un bon oeil, oui, avec ce que j'ai fait. Et ça n'a pas été facile. Donc, même mes matchs que à domicile étaient comme des matchs à l'extérieur, oui, et ça m'affectait le moral, même comme je gardais la tête haute. Et c'est avec vraiment beaucoup de conseils du président qui m'a parlé que j'ai pu finir la saison. Mais j'ai fini la saison vraiment pas en trompette. J'ai fini la saison étant vraiment affaibli. Oui, je n'étais plus à mon meilleur niveau. Déjà, j'étais un peu troublé. Mais avec cette année qui est venue, oui, j'ai essayé de reprendre mon meilleur niveau.
pour pouvoir continuer dans la suite de la compétition. All right, and so it's really an aching period when you go log ahead with your fans. And so how did you handle that situation and how did you keep your head high as far as playing for Stade Rennais at that time was concerned? Ça a été vraiment très très difficile. Et quand je finissais ma séance d'entraînement, je rentrais à la maison et je comprenais comment vraiment les supporters étaient vraiment fâchés. Ils étaient vraiment fâchés, ils m'avançaient des mauvaises paroles, ils m'insultaient. Oui, il me disait vraiment qu'il ne me vole plus, tout ça. Et c'est avec quelques matchs où j'ai marqué. Oui, c'est où, oui, quand j'ai marqué, je suis allé leur demander pardon. Oui, avec des signes de regret. Oui, avec des signes de regret. Et ça les a vraiment marqués. Donc c'est comme ça là qu'ils ont commencé à me réadopter de nouveau. Et aujourd'hui, vraiment, oui, je me sens bien à Stade Rennais de Melun puisque j'ai fait des bons matchs et ils ont encore vu le temps qu'ils ont vu la première année à Stade Rennais de Melun. What do you think is your major accomplishment that you have accomplished as far as your footballing career is concerned? Il y a beaucoup de choses bien que j'ai fait dans le championnat camerounais. Oui, il y a aussi des regrets. Donc je vais juste continuer à travailler pour pouvoir vraiment atteindre mes objectifs. Mes objectifs, c'est être professionnel, c'est jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Donc ce sont vraiment les objectifs que j'aimerais atteindre pour être vraiment fier de moi. And would you consider that you've not really accomplished much in your career if you don't play, let's say, an African Cup of Nations or a World Cup? Oui, moi je peux dire cela. Je peux dire cela que vraiment ma carrière sera complète quand je vais pouvoir vraiment, comme je vous disais tantôt, oui, quand j'aurai porté les couleurs de l'équipe nationale dans une compétition, oui, quand je jouerai dans un grand club étranger, c'est où vraiment je serai satisfait, totalement satisfait de ma carrière. Mais déjà je ne crache pas sur ma petite carrière que je suis en train de faire jusqu'à présent. Oui, mon objectif, ce que j'ai à faire, c'est continuer à travailler dur et grâce à Dieu, vraiment, j'y arriverai. All right, thank you very much, Tambo Jires, Timo. And any last words for your fans watching you out there? Vraiment, je tiens à saluer tous mes fans et leur dire que vraiment, que je les garde toujours dans mon cœur et qu'ils ne me lâchent pas, qu'ils continuent à me soutenir et que je ne vais pas les décevoir. Je vais vraiment donner le maximum pour qu'ils soient toujours fiers de moi. Thank you very much and we wish you the best as far as your career is concerned. Ladies and gentlemen, that's it. We've brought to you two top players as far as the Cameroon Top Tier Championship is concerned. And all throughout this program, we shall be going towards these players and getting from them how they saw last season, what future plans they have as far as their footballing career is concerned. This is La Presse Fellow Match, and we are bringing the local championship and the local actors to you to your doorstep. So stay tuned on STV, and we shall be bringing to you a lot more as far as this program is concerned. From us to you, it's bye-bye and stay tuned.